Nous sommes venus avec des jeunes ici. Ils ont découvert le nucléaire. Je ne dis pas qu'on devient adepte du nucléaire comme ça. Mais ils ont compris que si on veut atteindre les objectifs climatiques, c'est nécessaire. Ça, c'est pas mal. Ça. C'est-à-dire, on peut toucher des jeunes quand on argumente. Et quand on prouve, parce que les réalités sont là. Deuxièmement, la Finlande. La Finlande est un modèle. La Finlande, ça marche avec acceptation de la population. Tous stakeholders, tous dans le coup en Finlande. Il y a vraiment un modèle de participation de la société pour traiter des questions complexes qu'on aimerait bien avoir en France et dans d'autres lieux. Trois, évidemment, au niveau européen, c'est compliqué, ça reste compliqué, même si la Commission a une sympathie, un début de sympathie, elle renvoie un peu la charge aux États membres, parce qu'il y en a un certain nombre d'hostiles au nucléaire, évidemment, qui ont tendance à faire blocage. Cela dit, si il est prouvé, et c'est prouvé, que pour traiter le problème du climate change, tout en répondant aux besoins de consommation d'électricité accrue, se passer du nucléaire serait une folie. Donc peut-être au niveau européen, il faut plus de courage aussi pour éduquer les gens, les acculturer à un défi. Donc, pour moi, c'est une belle réussite. Voilà. Peut-être trois enseignants.